Les gens, c'est Oura, j'espère que vous allez bien, moi pour en part ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est sur Far Cry 4 pour l'épisode 9 et je viens de voir qu'on est déjà à 39,89% avec 8 heures de jeu. Franchement je trouve que c'est vraiment pas mal hein, pour l'instant, en 8 épisodes, 40% de jeu. Alors je ne peux pas le faire vraiment à 100% de jeu, ça. Je finis l'histoire, je fais toutes les quêtes secondaires en record. Et je fais des améliorations au max et après uniquement je considérerai que l'esprit sera fini, donc une fois que j'aurai débloqué toutes les armes, une fois que j'aurai acheté tous les accessoires, bon ça sera plus du off ça, donc je sais pas si ça sera record. Donc voilà, ensuite bah, j'ai un projet en cours, pas dire privé mais voilà, je vais changer de microphone parce que j'ai une perche actuellement, mais la perche s'il n'y a pas la bestiole devant bah ça sert à rien. Donc voilà, donc faut que j'achète le microphone, donc il risque d'arriver dans quelques mois. Donc voilà, c'est une petite annonce, hein, sans importance. Donc là, ça va faire vraiment du mode histoire à fond, comme ça on aura... Comme ça en fait, on va faire d'abord les quêtes principales, ensuite la secondaire, et puis ensuite les quêtes, tous les avant-postes, toutes les tours radio, etc. Là, ça sera vraiment... on sera plaisir. Bref, donc par contre, le chargement est extrêmement long. Enfin... Je viens qu'il cherche toute la map, mais sincèrement, s'il te plaît, voilà, c'est bon, voilà. Alors donc on était là, on en était où? Ah oui, une quête de Longinus, une quête de Yogi et Reggie. Alors on va faire la quête de Yogi et Reggie. Ouais, parce que j'aime bien ces deux mecs-là. Ils sont très tarés. Alors, toujours qu'on arme le soldat, hein. Très très efficace cette arme. Je vais voir que. Oh, tiens, une fusillade ici doit augmenter mon karma. Elle augmente mon karma. Ah, ah karma. Oh, je sais même pas quand je vais pas toucher. C'est bon. J'ai vu deux balles pour le buter, franchement. Très sincèrement, c'est pas mal. Hein. Donc, on a 500 mètres à faire. Bon, je vais pas essayer les wingsuits ici parce que vu les arbres, ça c'est chaud. Et j'espère qu'on va bientôt au niveau 5 de karma parce que ce serait débloquer une arme. Je crois que c'est la déchiqueteuse en plus genre. Ah non, ok c'est bien. Je crois que c'est la déchiqueteuse qu'elle s'appelle. Non c'est quand on a fait toutes les forteresses. C'est pour ça aussi que je vais faire ça, qu'en fait les forteresses je vais capturer en. Je vais faire seul et en record parce que enfin, voilà quoi, y a pas à chier. C'est plutôt efficace les forteresses hein, quand il y a tous les ennemis qui vous sont dessus avec des hélicos. Je veux dire que ça fait plaisir. Par contre, ah oui, c'est la dernière fois ici, j'étais venu en 4-4, je crois, puis j'étais tombé comme une grosse merde. Très sincèrement, je vais pas refaire cette erreur, je vais y aller à pied. Alors, j'ai une compétence qui s'appelle... Bah, je l'ai mise juste après le record, parce que j'ai pas vu que je l'avais. C'est une compétence, ça va coûter 5 points, je crois, et ça permet de courir tout le temps. Et ça, c'est vraiment efficace. Regardez, depuis tout à l'heure, Depuis tout à l'heure, je me suis pas arrêté, j'ai pas marché normalement. Normalement et puis en cours donc c'est plutôt pas mal hein. Sincèrement ça fait gagner un peu de temps et là on est à notre maison, enfin notre maison vous avez compris non ouais. Genre il y avait un point, non il y a pas de point, j'ai peur. Ah, il y avait encore un truc de karma. Ah c'est une cinématique, je suis vivant. Ouais, attends mon pote, c'est bien qu'on va à Donald pour ce qu'il a fait, mais dans la merde quoi. Et c'est Yogi connard. Je vais quand même vous flinguer. Hé, écoute, je t'en veux pas d'avoir envie de dessouder Reggie. Ouais, on est coincé dans ce putain de pays. Comme toi, okay, ils ont pris nos passeports et ils nous obligent à baiser des mecs. Comme toi. Non, on baisse pas de mecs. On est en Inde après cette histoire avec la vache. Les vaches. Ouais, les vaches. Un tas de vaches. T'as vu, 1 million de vues sur YouTube déjà. Oh. Ouais, c'était... Écoute, on croyait que Noor voulait te parler. On pensait pas qu'elle allait te balancer un poil dans l'arène. Mais si, arrête, t'as même parié contre lui. C'était pour une question purement technique. Je voulais optimiser mes gains, vieille paterne. Ça veut dire, pote, moi, par contre, j'ai jamais douté. J'ai parié sur toi, mec. Regarde. Je suis tout à fait disposé à partager. 60-40. 40-60. 30-70. Ok, t'as qu'à tout prendre. Tu le mérites. Tu t'es quand même battu la zigounette à l'air. Ouais, ah, c'était impressionnant. Quoi, sa zigounette? Elle devait être énorme. Putain, comme d'un gladiateur. Ouais, je dirais plutôt 300. Tirez-vous d'ici, tirez-vous de ma maison. C'est moi qui la reprends.
Et si vous cherchez encore à me baiser... On bute Donald. C'est Yogi. Un joint ? Dehors. Ok. Laisse-nous juste prendre nos affaires. Ouais, on squattait. C'est un peu le bordel. Mais d'abord... Je mettrai court, court, petit lapin, court, là. Hein ? Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Un de ces tankas ? Bien vu, petit malin. Il s'est passé quoi ? Alors ça, c'est une histoire de malade. Ouais, drogue, intrigue, danger, tout y est. S'il te plaît, donne-moi les versions courtes. Bien, version courte. Nous venions d'arriver au Kirat. On débarquait, si on peut dire. Ouais, et on avait hâte de tester l'horticulture locale. Carrément. Mais on n'a pas été déçus. Non, pas le moins du monde. Et tout ça grâce à un vieux gourou super sympa qui nous a complètement ouvert l'esprit. Ouais, ce jour-là, on a atteint le plus haut niveau du nirvana du chambrain. Quand tout a été dit, on a demandé au gourou qui le fournissait. C'est là qu'on a connu Shangri-La. Shangri-La. C'est un peu le spectre de l'ancien Kirat. L'ancien Kirat. Ouais, c'est... Ça a jamais vraiment existé, en fait, comme le chat de Schrödinger. Le Kirat de Schrödinger. Eh, vraiment déchiqueté, la version courte. Hein ? Ouais, okay. On y revient. Donc le gourou a dit qu'il était allé dans un lieu légendaire et qu'il y avait récolté quelques têtes. Il a pu faire tout ça grâce à un tanka mystique qui était justement accroché à ce mur. Il est où, maintenant ? Un petit morceau disséminé dans tout le Kirat par on sait pas qui. Ouais, ouais, mais faut pas t'en faire, hein. Le vieux nous a vendu une carte. Ah. Elle mène à une grotte pas loin d'ici. Ouais, et avec une porte qui fait peur. Ouais, même super peur. Même si on avait voulu chasser ce dragon, on sentait bien que la porte était pas vraiment du genre à se laisser faire. Et où est passée la carte ? Je crois me souvenir qu'on s'est roulé des joints avec, mais t'inquiète pas, hein, tu trouveras la grotte facile. C'est à l'ouest d'ici. Ouais, ouais, et quand tu verras une porte avec une tête qui fait peur dessus, c'est que tu seras arrivé. Oh, et rapporte une tête ou deux, d'accord ? On est venu pour récupérer notre maison. Ils nous ont mis à la porte de notre propre maison. On a gagné 20 000 dollars, mais... Par contre, Shangri-La... Gratter du karma. Par contre, c'est où ? C'est ici, donc on va y aller. Par là. Non, c'est pas du kit, c'est juste de la téléportation parce que c'est un peu long d'y aller à pied en fait. Puis je vais pouvoir m'acheter des munitions, etc. Alors, bon, c'est un peu chelou quand même ce qui se passe. Hein. Yoji Reddy en fait, squat chez nous. Ça aurait tenu qu'à moi, je les aurais déjà dégagé, mais bon. Mission. On prend une voiture et puis bah, on va y aller quoi. On va découvrir Shangri-La. Enfin si possible quoi. Niveau de karma 4. Pourquoi on a un bonus de karma là. Et bah c'est 3-4. Bien sûr. Ouais, sauf que. Je suis débile. Hein. Sans les commentaires vous. J'aime pas trop les civils. Hein. Je suis content. Et ça fait 15 fois que je me le dis. Hein. Oh. On rentre. Fagotte. Allez. Il y a un pont. On va passer par le pont. Et on va aller sur cette presqu'île. Enfin, sur cette île. Oh, super. Donc, dites-moi dans les commentaires, c'est une île ou une presqu'île. Par contre, d'où je suis sorti de la voiture. Oh, j'ai bégayé, mais... Le temps de gars. D'accord, en fait, je vais aller chercher. Wow. Okay. Bon, je me marque. Bon, chez Tanga. Hein. C'est vrai, toute la région est contrôlée par Pagan.
Alors on va passer sur du off-road, les gens. Préparez vos sacs. Allez, allez. C'est du off-road, hein. C'est du test. Pourquoi il parle d'un désirable? Allez, 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 allez. Il n'y a pas moyen. Bon, ça nous a fait avancer. Bon, alors, le jeu franchement est vraiment magnifique. Hein. Je me répète de pas mal de fois, mais le jeu est vraiment magnifique. Soin, métier. Moulin prière. Oh, le moulin prière. Oh mon dieu, je vais me rentabiliser le truc. Hop. Aïe, ça pique. Au revoir. See you again. Ces armes signatures sont tellement puissantes. Pourquoi je tire des balles en trop? C'est pas grave. Moulin prière, hop, je te rentabilise le truc. Du karma. Des coffres. Wow. Ouais, alors. Merci. Je préfère ça. J'ai pas de l'explosif. Ok, d'accord, donc c'est du. Ah d'accord, c'est. Ah, ils sont comme ça chez Ubisoft, hein. Il y a une porte, on n'a pas le droit de. Alors donc ça fait. On descend. On a tout. On est dans la flotte. Oh la flotte. Je joue absolument rien. Oh la statue. Un lion, ah, je sais pas ce que c'est. C'est un macaque en fait. Il doit me faire un duo. D'accord. Et les statues dans ce jeu ne me respectent pas. Ouais. Il y a plein de points pour s'approcher. Ok, bon. Alors franchement, ils sont vraiment shootés, hein, Yuki et Régine. Waouh. Mais genre. Alors donc. Voilà. Merci. On trouve une porte qui fait peur. Alors, je pense c'est leur imagination. Je suis pas sûr. J'ai failli tomber. Donc voilà, des macaques. Plus j'en ai besoin de ça. J'ai besoin de cette merde. Alors, CF3. Confection. Oui, pour le portefeuille. Faut que j'en bute un en plus. Non, bon. On trouvera bien. Ah bah, on part en du loup, on en voit la queue. C'est pas vraiment un loup. C'est un macaque. Regardez. La fougue est tellement bien faite. Et encore, elle est pas. Graphisme pas maximum. La fougue pas maximum. Compétence, je fais rien. Portefeuille, voilà. Ah, oh, je peux prendre un plus gros portefeuille. Normalement, j'ai la carte. Ah. Alors, vu comment c'est, je pense qu'on va rentrer dans Shangri-La. Vu comment c'est parti, oh la Shangri-La. Ah là. Alors les gens, franchement, tu sais, votre tigre pour éliminer les démons. Quoi, t'en as un tigre? Ah bah c'est peut-être ça alors, ce que j'ai vu. La Shangri-La ne se blesse pas. Oh.
Par contre, on a un poil. C'est nous Kalinog. On a un poil, bon, on saute. Hein. Wow. Oh les 28 FPS, j'ai 100. Wow. Tant de poissons. Ah, oh. Remonte. Remonte mon grand. C'est magnifique par contre. Hein. Wow. Waouh, c'est vraiment magnifique. Waouh. Shangri-La. Yahan tak mera rasta lamba aur kathin raha. Maine bahut kuch dekha. Wow. Kiya. Lekin main chahta hoon ki aisa kisi aur ke sath kabhi na ho. Aur ye pen kya tha? Rakha. Jo sochta tha ki swarg dukhon se mukt hota hai. Wow. Y a pas du karma, tiens. Comme ça, je m'entends du karma. Je peux pas augmenter le niveau de karma. Quand je m'approche, je fais ça à lui. Oh, il est trop beau le cerf. Waouh. Eh, c'est vraiment... Sincèrement, c'est vraiment magnifique. Oh, le tigre. Le tigre. Ne meurs pas, le tigre. C'est un narrateur. Jungle mein bhayankar ladai hui thi. Sher apne ghar ki raksha kar raha tha. Lekin kisse? Ça rend très spirituel ce jeu. J'ai vu qu'il y avait des démons. Ah, c'est ça, j'ai vu. शैतानों ने शंग्रीला पर आक्रमण किया इस धरती की नहीं साफ मन के नहीं कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शंग्रीला को चुराना चाहती थी और वाह il est vraiment magnifique उसे लौट आया मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए Shangri-La le tigre. Les ennemis pour appuyer sur manette souris pour le rendre pour le prendre cible. Le tigre attaque le tigre pour sentir les ennemis et devenir invisible à leurs yeux. Wow. Alors, une barre de vie. मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है फिर भी यहां वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो ओ ये मैग्निफिक पेटी सारियों जाओ अभी रख लो मत चीज़ रख लो On avance, allez le tigre, on avance. On avance, on avance, on avance.
c'est fastidieux. Il se téléporte. Oh mais franchement, Shangri-La serait un magnifique. On soigne, allez, on soigne. On gagne du karma. Ok, mon imprimé qui s'envole. Après, j'ai le deuxième point. Cet épisode sera long, hein, je pense. Et le tigre. Ah, par contre les exécutions enchaînées. Je sais pas si. On fait tourner le moulin prière. Maintenant c'est bon, on sait comment ça fonctionne. On peut directement les exécuter. Donc c'est efficace. C'est efficace. La cloche d'illumination. Je crois qu'il y a un truc, c'est en faire tourner deux et on débloque une arme. Je sais plus c'est laquelle en plus. Je sais pas si c'est une arme ou si c'est un point de compétence. Je suis vraiment pas sûr. Bon, j'ai pas de truc, je fais pas de confection, j'ai pas de compétence. J'accès à rien dans Shangri-La. Pour l'instant, je pense. Waouh. Le calcineur. Voici une calcineur ennemi. Tigre attire attention au calcineur. Ok, d'accord. Oh, c'était magnifique. Mais par contre ça c'est un serment quand même. Exécution aussi. Bon, je sais pas si le tigre se régénère ça vie ou pas. Ah c'est bon, tigre. Le gros sang lui part. Waouh. Oh c'est magnifique. Les actions. Par contre, y'a personne. On le tire à casser. Franchement, c'est un allié, mais de ouf. Non, meurs pas, le tigre. C'est le tigre, meurs pas.
जब मैं बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंगरीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे। अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। J'ai appuyé sur F mais il y a la cloche qui a retenti. C'est pas plus mal. Maître de l'avant-poste. Oh. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il revient dans le monde des vivants. Qu'est-ce que je fais ici? Ça va. Tu t'es pointé avec un tankard. Ouais. Et puis, tu l'as mis dans le cadre, et là, t'as piqué un petit roupillon. Ouais. T'étais hors transe. Tu parlais une drôle de langue. Il s'est passé quoi? Je sais pas, mais c'était bizarre. Ce truc était là à votre arrivée? Ah! Ça? On m'a dit que c'était un objet de famille chez les Gale. Ça se transmettrait de père en fils. Je t'en ai pas déjà parlé avant? Non, pas du tout. T'as demandé la version courte? Oui, et on t'a demandé de nous rapporter un peu de cette herbe, hein? T'as pu en trouver? Désolé, j'étais occupé. Ok. T'en fais pas, tu... Plus tard. Mais... Si tu tombes sur ce tankard, ne les oublie pas. Ouais. Bon, alors on file. Quelqu'un viendra chercher le reste de nos affaires, ok? Ah ouais. À plus. À plus. Enfin, ils sont taillés. Wow. Succès déloqué. Overdose. Cool. Un succès en plus. Nouvelle quête de Yugi Reggie est disponible. D'accord. Alors, donc compétences. Alors, j'ai exécution enchaînée. On va le prendre dans le monde normal. Ça peut être vraiment efficace. Et donc, en fait, on va enchaîner les quêtes de Yugi Reggie durant Fralonginus. En fait, voilà ce qu'on va faire. Par contre, il y a un truc. Il y a un marchand. Voilà. Alors, ah, cool. On peut. Ah, cool. Alors, donc, déjà ici. On peut. Vous pouvez acheter les objets du gardien pour l'améliorer. Ah voilà. Ah cool. Enfin. On peut améliorer la maison. Ensuite. Mise à niveau extérieur. On va améliorer. Ça va être totalement rebâti. Oh elle est belle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Robinet extra pour vous trouver un gilet pare-balles. Oh, sympa. Buzzer. Oh, sympa. Contrebande. Et ben voilà. Bon, on va se laisser là. La première partie de Shangri-La. Hein. Donc, si c'est le cas, ben, likez, partagez et abonnez-vous, hein, surtout. Je vais regarder un truc. Est-ce qu'on peut se TP maintenant? Oui, non. On peut pas se TP. Voilà. D'accord. Et ben on va se laisser là. Si c'est le cas, ben likez, partagez, abonnez-vous. Et puis ben, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde et. Allez, à plus. Oui, je trouve pas mes mots.